Vous avez fait également l'Europe depuis plus d'une année. Est-ce que l'on peut cette fois-ci dire que convention là, de la seconde et que vous touchez pas une souris mais plutôt un résultat radié cette fois-ci? Non, je pense que convention est au bon moment parce que ça nous permet de faire l'autocritique. Hein? C'est l'autocritique et justement pour nous voulons maintenant améliorer notre manière de faire. Mais je crois que dynamique, il y a des plateformes à combat. Vous avez presque l'électoralité. Nous voulons intensifier le combat de manière à ce que les verts application de Bakoro et à la sensibilité. Et une avant-dernière question, j'espère. Pensez-vous que cette fois-ci, vous êtes vraiment serré? Vous êtes unis? Bon, l'unité pour l'unité n'existe pas. Nous avons l'unité dans l'action. C'est-à-dire que l'unité n'a pas l'unité, on est dans la sérénité. Mais l'unité n'a pas de l'action. Parce que là, maintenant, on va aller vers les actions. Au moins, le regard, parce qu'on est arrivé au point où nous pensons que le peuple doit être pris à témoin. C'est-à-dire qu'au peuple a se réapproprié le commun du village d'Akambo. Parce que là où on sent que vraiment, les gens pour t'accabler, le baga, il faut tout faire. La dynamique de l'opposition, qu'est-ce que l'on peut retenir globalement? Globalement, je pense que nous sommes réunis ici pour essayer un peu de redynamiser la dynamique. La dynamique, c'est une force, c'est une puissance. Mais une force, une puissance aussi, comment dirais-je, elle n'est pas réactualisée, elle risque de s'embrayer. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça aille mieux. Mais je pense qu'avec les interventions des uns et des autres, nous ferons de bonnes choses dans les jours à venir. Vous allez comment poursuivre les chemins légués par Tshisekedi, c'est que ça désemparé, comme l'a dit et si bien dit l'honorable Fayulu. Ce sera une tâche facile selon vous, président Bob? Bon, le président Étienne Tshisekedi, c'est l'icône de la démocratie. Mais en même temps, vous savez très bien que personne n'est indispensable. C'est-à-dire que le président n'étant pas là, il y aura des gens qui vont le remplacer. Tu vois? C'est-à-dire que nous sommes. Enfin, il nous manque. Mais on ne doit pas continuer à pleurer. On doit prendre les armes qu'il a déposées, lui, pour continuer les combats. Et le pouvoir ne va-t-il pas vous disloquer davantage? La dernière question, président. Oui, mais le problème, je t'avais dit que le pouvoir va utiliser certainement la division. Il a déjà fait. Vous voyez ce qui se passe au niveau du rassemblement. Mais heureusement, on est conscient, nous sommes en train de travailler pour essayer un peu de recoller les morceaux. D'ailleurs, je vous informe qu'aujourd'hui, 9 plateformes sont tous unies derrière le leadership pour venir de voter. La dernière question? Oui, oui. Que pensez-vous de la possibilité de rassembler encore les rassemblements? Le rassemblement est déjà rassemblé parce qu'il y a 9 plateformes. Mais il y a 9 plateformes qui sont parties. Je veux dire qu'à Genval, il y avait 9 plateformes qui ont signé. Et toutes les 9 plateformes se sont mises d'accord. Maintenant, ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas là. Hein. Je veux dire que... Vous savez que les personnalités politiques, les rassemblements qui sont partis de l'autre côté, n'est pas aussi les moindres. Bon, moi je m'en tire au texte. Je vous ai dit que moi j'étais à Genval. À Genval, on avait signé l'accord. Et dans cette situation, il y avait 9 plateformes. Les 9 plateformes sont avec Félix. Les autres, je ne sais pas, ils sont avec quel signataire, quoi. Je me pose la question. Je vous dis merci, président. Merci, président. Le monde est le monde.